Chers compatriotes, chers amis, en ce 14 juillet 2020, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. Cette année, malheureusement, je n'ai pas le plaisir de vous accueillir à l'ambassade, comme le veut la tradition, en raison de la crise sanitaire. Je le regrette profondément, car pour moi, c'est toujours un grand plaisir et un grand bonheur de célébrer notre fête nationale ensemble. Ces derniers mois ont été éprouvants, mais j'espère néanmoins que vous vous portez bien. Notre communauté au Canada s'est montrée solidaire et forte dans ces moments difficiles, et cela ne me surprend pas. Si l'heure n'est donc pas aux festivités, il nous appartient néanmoins de célébrer ensemble notre 14 juillet. Et ce 14 juillet s'inscrit plus que jamais sous le signe de la fraternité et de la solidarité, des valeurs au cœur de la République. Cette solidarité qui unit nos deux peuples, nous en avons eu de nombreuses illustrations au cours de ces derniers mois. Je pense aux associations et aux entreprises françaises au Canada qui, spontanément, se sont mobilisées pour venir en aide à leur communauté locale, aux établissements de soins et qui, souvent, ont mis leur innovation au service de tous. Cette solidarité qui unit également la France et le Canada s'est aussi exprimée à travers l'engagement commun et réitéré de nos deux pays en faveur d'un ordre mondial multilatéral fondé sur des règles et pour trouver un vaccin qui serait accessible à tous. Ensemble, nous avons donc gagné une première bataille contre la COVID-19, mais le virus est toujours là. Nous devons rester prudents et vigilants, bien sûr, mais il nous faut aller de l'avant et construire ensemble le monde de demain. Et cette reconstruction sera non seulement économique, mais également écologique et sociale. Là aussi, l'amitié franco-canadienne sera déterminante. Pour conclure, je voudrais exprimer une nouvelle fois ma profonde gratitude envers toutes celles et ceux qui ont joué un rôle décisif et exemplaire dans la lutte contre la COVID-19 et en particulier les professionnels de santé. Chers compatriotes, chers amis, vive la France, vive le Canada, vive l'amitié franco-canadienne.